Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Je suis dans notre sniper, notre nouveau sniper hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et je suis passé en mode caméra. Ceux qui connaissent. Voilà, ce qui nous fait un premier kill. Crac. Et voilà. Voilà. Je commence à me poser des questions, sincèrement, ça me pète les couilles ce jeu. Il est mal fichu sur certains points, mais alors... Des ennemis qui me voient pas, mais qui me tirent dessus. Alors je suis désolé, je suis énervé de l'épisode précédent, mais alors là franchement... Je me demande. Débile. Oh putain, mais ils m'aident pas hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je peux même pas voler. Voilà, toi non plus tu peux plus voler du coup. Tu veux bien te... Oh putain. Mais... Oh mais merde. Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, c'est fou. Putain, je m'en prends plein la gueule à longueur de temps quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je peux pas faire un kill sans être emmerdé, c'est fou. Oh putain. Mais niquez vos mamans. Ah, je suis désolé, mais là ça me pète les couilles. J'ai l'impression d'être tout seul, la seule cible de l'ennemi c'est moi. C'est putain. Vive le focus quoi. À côté de ça il y a mon équipe qui se balade en groupe et qui fait pas un kill. Donc c'est la fête hein. Voilà, meurs. Alors. Est-ce que tu veux bien passer devant mon écran? Voilà. Que quelqu'un peut finir le kill. Merci. Oh non. Putain, mais ils sont combien? Ils sont combien? Et puis en plus, on est en... On est en vieux désavantage à la con. Tombe.
J'ai plus mon heal. Si, tu me heal. De toute façon, on est mort parce qu'il sait pas faire autre chose que heal. Et moi, je sais pas faire autre chose que sniper. Crac, ok, c'est bon, on a survécu. J'ai l'impression que le matchmaking m'encule à longueur de journée, c'est violent. C'est absolument violent. Voilà, voilà. Donc là, il y a quelqu'un, hein, histoire que tout le monde soit au courant. Mais apparemment, lui, il préfère s'envoler et faire de la merde parce qu'il a un robot à 500 PU, 500 CPU. Mais voilà, c'est pas grave. Donc ça me pète les couilles. Franchement, je suis désolé, là, ça me pète les couilles, chers amis. Pourquoi je tombe avec des mecs qui ont fait... Ça, c'est pas un robot. C'est juste de la merde en boîte. Putain. À chaque partie que je fais, je tombe sur une merde pareille. C'est pas possible. Tout ça parce que j'ai jamais joué en compétitif, le jeu m'encule, j'ai 500, pratiquement 500 épisodes de jeu, j'ai 450 épisodes de jeu sur le jeu quoi. J'ai un petit peu de temps de jouer hein. Donc maintenant s'il te plaît, donne-moi un peu... Mais putain mais... Ah bah oui, bah écoute, allez, tuez-moi. C'est pas la peine. Je me fais enculer par le jeu, je pense que ça va être un des derniers épisodes là. La mise à jour elle vient de pourrir mes parties. Elle vient de pourrir toutes mes vidéos. Oui, vas-y. Jouer avec des abrutis, ça me saoule. Je suis désolé, le jeu est complètement déséquilibré. Ça me gonfle. Ça me pète les couilles. Tout ce que tu veux. Je ne peux rien faire. Quel que soit le robot que je prends, je fais rien, donc c'est cool, hein, c'est... Merde. Vive le cosmétique. Hein. Et parce que devant il avait du cosmétique, hein, mais c'est le cosmétique qui a encaissé les coups à ma place. Enfin, c'est pas grave, je vais encore mourir bêtement. Voilà. Parce qu'on a ça qui vole bêtement aussi. Après je vois à travers le sol aussi, c'est la fête. Putain. Ils sont en train de prendre une tour, hein, mis à part ça. Voilà, il y a personne qui leur a réagi à la gueule, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Peut-être que je devrais arrêter les robots spécialisés, je sais pas. Pendant un temps ça marchait bien, mais maintenant ça marche plus, donc je sais pas, je suis en train de réfléchir, chers amis, là, franchement ça me... Cette mise à jour, j'ai l'impression qu'elle a plombé toutes les vidéos que je vais faire à l'avenir. Parce que voilà, ça a regardé, ça c'est beau ça, chers amis, ça a regardé. Même pas équilibré le robot. Bravo. Bravo, bravo. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Your bottom fusion tower is under attack.
Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Okay. Ok, je l'ai eu. Ah ouais, non mais quand on se fait enculer par le jeu comme ça, c'est vrai que je suis d'accord avec FG63X, il y a de quoi rager. Il y a de quoi rager. Il est même pas dans le truc, FGX. Ah si, c'est le deuxième bleu. Ok. GG. Oh là 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 là. Je vais arrêter le snipe, je crois. Je crois que je vais arrêter complètement le snipe, chers amis. Ça va plus. Oh non, arrête de... Arrête de te la péter, FG. Parce que là, tu dis fucking noom juste avant, puis après tu fais GG, tu fais lol easy. Ça vaut, c'est pas... C'est vraiment méchant. Je trouve ça bête et méchant. Enfin bon. Peut-être passer 63 bientôt. Cool. Oh, merci. Y'a rien dans l'or. Y'a rien du tout dans l'or. Ouais, 47. Ouh, c'est la fête. J'en perds deux, faut que j'en gagne une pour que je gagne à peu près ce qu'il faut, effectivement. Sorry for the AFK, ouais, de toute façon. Ça, faut comptabiliser, faut compter le fait qu'il y en aura sans doute un paquet d'AFK. Bon, oh la vache, les vaisseaux, ça fait longtemps que je suis pas revenu aussi loin. C'était très très bien celui-là pendant un temps. Je sais pas s'il fonctionne toujours. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours. Testez votre robot. On va bien voir après tout. Plus beaucoup de tirs, hein. Il a pu être aussi efficace qu'avant celui-là. Je pense. Je pense. Celui-là, je sais pas. Ça, clairement, non. Ça peut être rigolo à prendre. Ça va pas très très vite. On va aller le prendre, chers amis. On va aller en MMR. On va bien voir avec, hein, tant pis. On verra bien. Advienne que pourra, maintenant. Hein. Moi, je vais essayer d'oublier toute la phase MMR. Je vais essayer d'oublier de ce que je vois, tout ça. Et on verra bien. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que je perds des points sur le temps. Je ne suis pas tout à fait sûr. C'est une impression que j'ai. Est-ce que ne pas jouer au jeu pendant une semaine, par exemple, crée une perte de points? Je sais pas. Si c'est le cas, eh ben, je vais pas aller bien haut. Mais sinon, sinon j'ai cru. C'est une impression bizarre. Peut-être que j'ai fait une partie que je me rappelle pas l'avoir perdue aussi. Hein. C'est possible aussi. Ouais, ouais, ouais. On verra, on verra. Advienne que pourra. Alors, ça y est. Ok, allons-y. Donc là, on va plutôt optimiser pour prendre les tours. Hein. Clairement, là, ça va être prendre les tours et détruire l'anti-aérien. Enfin, détruire l'aérien, pardon. Plus vite que toi, je savais pas. Je ne vois pas d'ennemi aérien, ce qui est
un petit peu problématique sur les bords. Je regarde mes PV quand même. PV qui descendent. Oula, j'ai des lags même en plus. Ok, mais qu'est-ce que... Allez! Faites lui son truc! Est-ce que je peux avoir un peu de heal? Ah, j'ai plus de canon en place. Bien joué les mecs. Tu veux bien lui péter son... Voilà, merci. Aïe. Je te reconnais, mais merci de te montrer comme ça, mais... J'ai plus de piles par contre, hein. Clairement là j'ai plus de piles. Okay. Ok, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Wow, 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 wow. Visons seulement l'armement. Ça devrait passer. On fait pas des masses de dégâts, cela dit, hein, pour le moment en tout cas. Hop. Attends, copain, je viens t'aider si j'arrive à me déplacer. Hop. De rien. Essayons de viser l'armement, toujours. L'armement d'abord. Si je pouvais avoir de l'aide, ce serait cool. Mais nos copains restent encore à la base. Merde, je me suis planté au niveau de l'apostrophe. Hop. Putain, il y a un aérien là-bas. Merde, je le vois plus. Oh, c'est casse-couille. Mais non. Y'a pas de raison. Ça fait plus de dégâts. J'avance. Non, j'ai plutôt reculé, je pense, finalement. Ah, il se fait régénérer au fur et à mesure que je le défonce. Ah, fait toujours un. Espèce de heal. Laisse-moi tranquille. Ah là 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 là.
Et on perd les tours. Puisqu'on a encore un tiers, parce que la moitié de notre équipe qui est en dessous de niveau 5, quoi. Allez, on va s'occuper que des tours. La tour! Putain, mais ils se barrent! Mais ils savent jouer au jeu ou... Je commence à me demander. Honnêtement, je commence à me demander si je joue avec des gens qui ont déjà joué au jeu. Je regarde mes PV, j'ai eu l'impression d'en être pris un coup. Là, je m'en prends. Je m'en prends, mais y'a personne pour me sauver la peau. Hein. Ah. Et toi, le ciel t'aidera. Crac. Tu me heal? Non, tu me heal pas. Tu t'es dit que non, c'était pas la peine. Ok, pas de soucis. Bon, on en a un Osmoldo qui fait les heals. Et du coup, bah voilà, il a. Ah, il fait les heals et les dégâts. Non, il fait que les heals. Wow, et je suis tout seul. Bah oui, parce que prendre les tours, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est pas comme si c'était un putain d'objectif. T'inquiète, c'est bon. Hop. Allez, Kinou! Allez, Kinou! Prends les dégâts. J'ai plus l'armement en première ligne. Il semblerait que je me sois fait rect par d'autres choses aussi, au passage. Ah, va pas y avoir de miracle, hein. Clairement, va pas y avoir de miracle. On n'est vraiment pas aidé, hein. Finalement, on n'est vraiment pas aidé du tout. Il continue à tirer là où il n'y a pas besoin, quoi. Non, mais t'es sérieux. Ça y est. Eh merde, pas devant un ennemi. Oh, mais corrigez ça. Corrigez ça vite. Corriger ça vite. C'est même pas censé exister ce genre de respawn. C'est pas dur, hein. Mettez une règle, si vous prenez des dégâts dans les 5 premières secondes, devenez invincible. Point barre. Parce que c'est trop facile de faire spawn l'ennemi juste devant vous, alors vous êtes en train d'attaquer une tour, quoi. Vous avez... Oh putain, mais là, vous voyez, par exemple, j'ai plus d'énergie du tout. J'ai plus d'énergie, c'est pas la peine. Autant avoir... Ça fait zéro dégâts. Comme moi d'ailleurs, je fais zéro dégâts, j'ai plein d'armes, mais je fais zéro dégâts. Mais merde! Derrière toi! Il me saoule.
Et j'ai plus d'énergie. Je fais pas de dégâts mais j'ai pas de balles. C'est logique. Voilà. Bon, bah voilà, comme je l'ai dit, c'est une de perdue, une de gagnée pour trois de perdues, quoi, c'est génial. C'est génial. Je tiens à quand même souligner que Tikos a rien fait. Est-ce que je vais t'aider, non? Oui, non. Tikos a rien fait, Falcon Builder a fait 0 kill pour 9 morts. Donc voilà. Voilà, donc en fait je me retrouve exactement dans la même situation que sur Overwatch. On se trouve avec des gens sur lesquels je vais faire le boulot de tout le monde finalement. Je peux vous assurer que c'est chiant. Allez, on y va. Déjà repris une tour, la leur? Non, même pas. Ça aurait pu être la tour sur laquelle j'étais, mais non. Jamais il passe en vol. Jamais il passe en vol. Your plutonium reactor is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Hop, allons-y. Oh, t'es sérieux? Meurs, charogne. Vous êtes sérieux? Pourquoi tout sur ma gueule? Il y en a 3 au spawn. Il y en a 3 au spawn, putain. Franchement, franchement, il y en a 3 au spawn. Donc, nous avons un total record de 10 morts pour Falcon Builder pour 0 kill. Nous avons un total de 7. Alors, moi je suis un x2, hein, je suis un 2 de ratio. Et tout le reste de l'équipe a du mal. Alors, comme Osmoldo, je suis à 2 de ratio, tout le reste de l'équipe est en dessous de 1. Osmoldo. J'ai pas eu le temps de trouver Osmoldo, c'est dommage. On va aller chercher la tour là-bas, là, hop. Bien sûr, fais-moi des choses que t'as jamais faites avant, t'as raison. Merci. Y'a vraiment que ça à foutre, hein. Y'en a vraiment, franchement. Mais merde! Tu me saoules! Laisse-moi jouer tranquillement! Ok. Faut me faire croire qu'il l'a pas eu quand même. Ah, c'est toi Osmoldo, d'accord. Je t'ai rentré dedans tout à l'heure, je me suis dit ouh, je lui ai rentré dedans, ça doit être lui.
l'impression que ça avait explosé juste au-dessus de ma gueule. Crac. Ok, on l'a eu. Faudrait réussir à aller chercher l'autre. Ah, mais le problème c'est que je vais crever bientôt. Non, c'est bon. Crever dans le sens où je vais avoir. Mais. Ah, il est difficile à contrôler. Si vous saviez comme il est difficile. Ah, mais merde. Je vais la chercher. Attaquer par derrière aussi. Forcément. Et je suis mort. J'ai l'impression de me casser le cul pour des gens qui en valent pas la peine, honnêtement. Et au Smoldo, ça doit être pareil. Osmoldo il fait des kills, il fait des assistances, il fait des morts. Enfin il fait peu de morts. Mais à côté de ça il fait du soin en plus que moi. Donc forcément il a des points en plus. Donc apparemment. Pardon, il faudra mieux partir sur du multi-purpose. Parce que là même là avec deux armes, je suis désolé, mon autre arme là elle est complètement. Complètement inutile parce que le matchmaking m'a mis face à des gens qui ne volent pas. Comme d'habitude, hein, vous avez remarqué que dès que je mets un truc. Oh, putain, mais. Ah, c'est plus des chenilles. Et les chenilles sont censées être super lents et collées au sol. Là, je vole avec. Débile. C'est débile. Ça va être temps de commencer à réviser la physique. Hein. Ok. Bon. Voilà, désolé, dommage. Eh ben on n'est pas aidé hein. On n'est pas aidé chers amis, honnêtement. Putain. Ah moi ça me saoule hein. Là les 3, les 4 derniers, là ils servaient strictement à rien. Voire les 5 derniers hein. Non les 3 derniers déjà. Putain. Enfin bon, c'est génial. Je vais tomber que sur ça maintenant. Donc je suis baisé. Je suis littéralement baisé pour le MMR. C'est génial. Une de perdue, trois, une de gagnée, trois de perdue. Allez, dépêche, j'ai choses à foutre, j'ai d'autres épisodes à tourner. Personnellement, j'ai d'autres épisodes à tourner, celui-là dure 35 minutes. C'est beaucoup trop long. Allez, voilà, c'est bon. J'ai plein d'objets qui me servent à rien. Et j'en perds 43. Bah oui, pourquoi pas après tout. Tiens, bah j'en avais déjà un. Bloodcrawler, et celui que j'ai maintenant s'appelle Bloodcrawler, d'accord. Enfin, on va chercher 1509. J'en avais déjà un. Bah dis donc. C'est pas un truc qui doit arriver souvent ça dans Robocraft. Il y en avait un là qui s'appelait genre un truc genre compétitif ou un truc comme ça. Ça non. Stardust compétitive. Bah, écoutez, on va le prendre dans le prochain épisode, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!